Jérôme Rotten recadre famille Nasri. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le propos de famille Nasri. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Jérôme Rotten recadre famille Nasri sur ses propos. Samy Nasri, sur le plateau de Canal Football Club, il a dit qu'il préfère voir Marseille faire un bon parcours d'Europa League que de le voir faire du n'importe quoi en Ligue des Champions. C'est-à-dire, le voir sortir peut-être quatrième de poule de Ligue des Champions. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec les propos de Samy Nasri. Parce que lorsqu'on joue un match, c'est pour gagner ce match. Marseille aurait dû gagner le match face au Panathinaikos. Marseille aurait dû se qualifier pour la Ligue des Champions. Ce n'est pas parce que tu es un petit poussé que tu vas forcément faire du n'importe quoi en Ligue des Champions. On a vu Club Brugge passer la phase de poule l'année dernière, tu vois. Donc, Club Brugge l'a fait et en termes de budget, Marseille et Club Brugge, il n'y a pas photo. Marseille est largement au-dessus de Club Brugge. Donc, Marseille a les armes de traverser au moins le premier tour, peut-être même jouer les quarts de finale. Et les quarts de finale pour Marseille, c'est déjà un beau parcours. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec Samy Nasri. Franchement, Marseille a vraiment les armes pour faire mieux en Ligue des Champions, au moins pour traverser la phase de poule. Ils ont les armes. Parce que lorsque tu as Aubameyang, le Kondogbia, le Ismaïla Sarr, c'est un effectif vraiment de qualité. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme Rotten? Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Samy Nasri? Bref, dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.